Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Resident Evil 7, et comme d'habitude, éteignez les lumières, sauf si vous êtes déjà dans le noir, ou fermez les volets si vous êtes à la lumière du jour, mettez un casque ou des écouteurs, prévoyez de quoi boire et de quoi manger, c'est toujours sympa évidemment quand on suit un épisode de Let's Play, parce que ça dure pas 5 minutes, hein. C'est l'avantage des Let's Play justement, c'est que on va être ensemble pendant au moins une demi-heure, et on est parti pour la suite donc de notre aventure. Encore une fois, je tiens à vous remercier, vraiment, toutes les vidéos sont en top tendance, ça me touche énormément. Vous êtes très nombreux à liker, à commenter, à me suivre tout simplement et à patienter parce que, hey, si vous le voulez, vous pouvez déjà aller voir la fin sur internet. Mais non, vous me suivez telle une saison Netflix qui sort un épisode par jour. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Des bisous. On est parti, les ingrédients très spéciaux. Il fallait donc que j'aille chercher un bras et j'avais besoin de la lanterne de Marguerite. On a tué Marguerite. Donc, on a la lanterne, bien évidemment. Il suffit d'aller la poser sur le balancier, histoire de pouvoir ouvrir la porte. Allez, on est donc parti. Alors, je m'en étais très très bien sorti, étant donné que j'avais toujours mes soins. Je me suis toujours pas soigné, c'est incroyable. J'ai toujours masse balle de pistolet. Le pistolet, il commence, je vous avoue, à plus me servir à grand-chose. J'ai toujours le fusil à pompe et le lance-flamme. Alors, le lance-flamme, je connais pas trop les dégâts. Ça a pas l'air ouf. C'était quand même le point faible de Marguerite. On va le garder. Direction la chambre de la gamine. Et donc, la vieille maison. Ça y est, les potes. On a enfin la lanterne. On va pouvoir, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe là-haut. Je vous avoue que ça me fait peur parce qu'il y a le mot hôtel. Donc, il y a forcément eu un sacrifice très chelou. Je sais pas trop sur quoi on va tomber, pour être honnête avec vous. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Le frisson, c'est normal. Par contre, s'il y a un esprit dans le jeu, un esprit ou des esprits, je risque de craquer bien plus vite que prévu. Alors on va pas par là, hein. C'est par là où Marguerite s'était barrée avant que je la kenne comme Barbie et Ken. On va passer par là. Est-ce que j'ai encore réellement besoin de la clé corbeau? Non. Ok. Ok. Chambre d'enfant, salle de détention et pièces contaminées. Tout ça l'un à côté de l'autre, un véritable plaisir. Quoi? Quelqu'un joue au piano là. Il y a quelqu'un qui a joué au piano. Vous l'avez tous entendu. Ah, il y a un esprit. C'est sûr, il y a un esprit. L'esprit de la gamine là. Oh putain, sérieux les ombres, les gars. Il y a un esprit, sa mère. J'ai très très peur. Je n'ose point y aller, pour être honnête avec vous. Mais on n'a pas trop le choix. Donc on y va. J'ai le son hyper fort. Oh là là. Très sympa tes jouets en tout cas. Ce petit crocodile là. Quoi? D'où ça clignote maintenant? Avant ça clignotait jamais. Oh putain, il y a un... Ok, les volets comme d'habitude, c'est un classico. Ok les gars, je vais baisser le son. Je vais baisser le son. Parce que là, je vous avoue... que j'assume pas de ouf. Là, je vous avoue que j'assume pas de ouf, sa mère. Je me sens plus en sécurité avec un peu pont. Quoi? C'est quoi ce délire? Y'a quelqu'un? Ma famille. Ma raison, somnolée. Evelyne. Ok. Evelyne, elle a pris tarot. Evelyne, elle a pris cher. J'espère que c'est pas le retour d'Evelyne Thomas quand même. Parce qu'on en a assez de ces mouchoirs. Il y a des esprits. Oh là là. Ah, sympa. Sympa la petite collection. Alors, des balles de pistolet face à un esprit, je suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Ok, donc là c'est un naufrage. Hein. Typiquement le Titanic que je connais bien. Il y a eu quelques morts dans l'histoire. Ça bouge. Oh putain, j'ai pas envie de le reposer. Il y a des bruits méga chelous. On est où là? Ok, j'ai fait que la chambre d'enfant. Oh là là, et là les gars, la sueur commence à monter. Oh, mais non, vous êtes des fils de pute. Pourquoi avoir fait ça? Quelle est cette petite pièce? Oh,
porte. Ok, quelque chose ne va pas chez elle. Aïe, aïe, aïe. C'est le moment. Ça s'est fermé ici. J'ai putain de peur. Pièce contaminée. What the hell? J'étais dans la pièce contaminée là déjà? Ok. On va essayer de fouiller vite fait juste pour tout connaître de la pièce contaminée, voir comment elle est. Là on va s'enculer là-dedans. J'entends des bruits. Quelqu'un qui marche. Je prends le lance-flamme. Je prends le lance-flamme parce qu'il y a une petite flamme qui m'éclaire un peu plus. Oh putain, j'ai peur. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi tu m'as dit de pas m'approcher? Mais j'ai pas le choix. C'est le but du jeu. Oh là là. Allez, on y va. Nique sa mère! Nique sa mère! J'ai peur. Oh putain. Oh là là. Très sympa le petit lit. Petite maison. Oh putain, vous avez entendu derrière? Ok, derrière le lit se cache une porte, je crois. Il y a un cercle. Un plan. Oh putain de merde. Il y a quelque chose. Là, je le vois. Oh putain de merde. Oh les gars. Ah, c'est la fille. Tu tomberas, petite. Putain. Allez, allez, tire. Oh mon dieu. C'est dégueulasse. J'imagine que c'est ça. Bras de série D. C'est quoi cette musique? Je me retourne. Go! Oh putain. Oh putain. Faut que je reparte? Trouver les ingrédients du sérum. Oh putain! Aïe! Oh, il y avait pas ça tout à l'heure. Oh non! Les gars, j'assume pas. Les gars, j'assume. Là, la tête de. Là, je peux pas, là. Je sais pas. Là, je peux pas. Les gars, je vous jure, j'en fais pas trop. Mais là, vous savez que les enfants et les esprits, je peux pas. Je ne peux pas. Ok. Je sais pas comment on va faire. Là, je sais pas. Soit je ferme les yeux, je trace comme Jaja. C'est ce qu'on va faire, sa mère. Ah! Allez, dégage. Allez, dégage. Putain. Oh putain. Évidemment, il y a une petite zone contaminée bien sympa. Oh là là. Ah mais là j'utilise toutes mes balles là. C'est pas ouf. On se soigne. Ok, j'en suis à où là dans la santé? J'utilise plus le pont, j'ai rien à foutre. Je cavale. Je me raccroche à la vie. Je me saoule. Faut que je repasse par où là? Allez, go! Evelyne!
qu'il a un bras immense. On court. Ok, c'est bon, il est parti. Ok, j'ai le bras. J'ai le bras, je sais pas quoi faire avec. Téléphone, forcément, Zoé va tout me dire. J'ai envie d'aller prendre le téléphone de la caravane, si ça vous gêne pas. Ok, on va prendre le téléphone de la caravane. J'y retourne plus. La tête de moi, j'y retourne plus. Les gars, il y a une gamine possédée. Il y a un esprit, c'est mort, c'est mort. Je me casse à la caravane, on est yimbe là-haut. J'ai plus de balles de pompe, j'ai plus rien du tout. Je vous jure, je vais poser le couteau, j'en ai rien à foutre du couteau. On va poser le couteau, les mecs. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le lance-grenade, j'en ai rien à foutre. Lance-grenade ou magnum. Petit 47 là, 44 pardon. Un petit 44 dans ta gueule. La maison des secrets, ouais, non mais là gros, c'est pas la maison des secrets. Eh, t'as cru on était dans Secret Story ou quoi, cousin? Ok, je peux pas sauvegarder, je suis obligé. De toute façon, là, je crains rien normalement. Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Eh, hey, mon pote, j'ai un truc à te dire. J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break. Elle et Mia sont ici avec moi. Elles se tiennent mutuellement compagnie. Laisse-les partir! Qu'est-ce que tu leur veux? Non, non, non! C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé? Maintenant, si tu veux la tête, n'hésite pas à venir la chercher. Je te la donnerai. Mais à condition que tu participes à une petite activité que j'ai préparée juste pour toi. Quelle activité? Oh, sois pas si impatient. T'inquiète pas. Elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote, c'est jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre! Oh, oh, allez, sois pas si agressif. Tu veux t'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo. Ok, bon bah la caravane, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on y est. Va falloir faire un petit... comment on peut appeler ça? Un petit compte-rendu. Boîte de fourniture, elle est vide. Ok, j'ai des psychostimulants, on s'en bat littéralement les couilles. D'ailleurs, je vais trier tout ça parce que ça m'insupporte. Les gars, le couteau, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre, mais alors littéralement rien à branler. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. J'ai de l'herbe si je veux faire une grosse soirée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un couteau, ok. Clé. Combustible solide, je sais plus. On va voir ce qu'on peut faire avec. Grenade incendiaire, je prends. Ok. On va voir ce qu'on peut faire avec. Je peux faire des grenades incendiaires, c'est pas mal ça, non? Munition de lance-grenade. Je pense qu'on va faire ça, parce que de toute façon, je peux pas faire des balles de fusil à pompe, ça c'est pas possible. Donc, on va faire ça. Ça en fait 4, c'est plutôt cool. J'ai le bras. J'ai des balles de pompe, pas beaucoup. Hop, on va reload de ça. Ensuite, on va récupérer des combustibles. On va tout reload, hein, les gars, hein, parce que là, sinon, on est vraiment pas bien. Putain, le lance-flamme, ça fait rien, en plus. C'est terrible, c'est terrible. Ok. Deux petits heals, toujours. J'ai le lance-greux, j'ai le pistolet. Ça va être dingue. Comme disait Christophe Maé. Ok. On va sauvegarder, non. De toute façon, on va regarder notre frigo, il peut rien m'arriver ici, je pense. Mais c'est la tête. D'accord. Le flic t'attend dans la salle de dissection tocard. Oh, le flic t'attend dans la salle de dissection tocard. Oh putain, il a muté ce petit con. Ok. Donc il y a Evelyne. Ouais, moi je retourne plus là-haut. Je peux pas. Je vous jure les mecs. Écoutez, on peut dire ce qu'on veut, voilà. Chacun a son approche des films d'horreur, des jeux d'horreur ou autre. Les films, ça me fait rien du tout. Je peux regarder un film d'horreur au cinéma, je m'en bats littéralement les couilles. Mais le jeu, quand c'est toi qui as la manette, vous savez qu'en plus, je suis le mec le plus poissard du monde. Et vous savez que quand je vais me retourner, c'est là où je vais rien louper de ce qui se passe. Et je vais me faire enculer par un esprit. Ça se passe toujours comme ça. Ok, salle de dissection. Souvenez-vous où elle était? Elle était par là. Oh, elle était au sous-sol.
Oh, le cancer. La salle de dissection, elle était là où on a tué le père... Jack Baker. Oh là là. Si Jack et Marguerite sont toujours en vie, les gars, j'arrête. J'arrête le jeu parce que c'est pas possible. Réellement, c'est pas possible. On va retrouver la vieille. Ok, salle de dissection, c'était par là-haut. Oh là là, le flic t'attend, salle de dissection. Mais putain, il a muté. Comment je vais pouvoir le tuer? J'ai quasi pas de balle de pompe. Ça va être terrible. On y va une première fois, voir. D'ailleurs, j'ai le bonus de précommande du collector à rentrer. Je sais pas, mais je crois que ça offre des munitions de magnum, il me semble. Munitions de pompe ou je sais, ou des fluides liquides aussi. Ça offre pas mal de petits trucs. Si on galère, là, face au désespoir, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Si on galère face au désespoir, c'est-à-dire le flic, je vous dis honnêtement, on va pas chercher midi 14h. Supplément complément inutilisable tel quel doit être transformé en médicament, ok. Et j'ai de la poudre à canon toujours. Je voulais chercher quoi, moi? Je voulais des... Bougez pas. Ok. Je voulais mes combustibles. Il faut tout brûler là-dedans. On va tout brûler. Allez! Vu que je sais pas du tout à quoi m'attendre... Déjà, on va s'équiper du petit gun. Quoi? C'est une blague? Faut pas tout refaire. Aïe, 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 aïe. Il y a de la possession là-dedans. Attendez, c'est où? Salle de dissection. On est d'accord. Et j'ai toujours pas la clé du serpent. Ok, c'était par là. Aïe, aïe, aïe. Il fait plus noir que tout à l'heure, hein. Oh là là. Non mais s'il revient... Oh! Saloperie. Elle me regarde. Saloperie de merde. On y va. J'y suis bientôt, c'est de l'autre côté. Et il a bougé le cadavre. Oh là 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 là. C'est pas possible. Quel est ce bruit de Satan? Ok, il y a une lumière, ça me rassure. Ah! Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh putain! What the fuck? Mais vous êtes fous! Je suis mort. Faut re-rentrer là-dedans. Bon bah frérot, dis-moi tout. Oh là là. On dirait les Lickers. Je crois que c'était les Lickers. Dans les anciens RE. Oh putain. Ah c'est terrible. C'est terrible. Ce qui se passe les potes. Salle de dissection, c'est juste à droite. Bon bah dis-moi. Allez, adieu. Son corps doit être en état de quoi? De rigor mortis. Ses articulations sont déjà raides. Ok. La puanteur d'océâtre se dégage. Il est déjà en train de pourrir. Prouve que t'es un homme. Plonge ta main dans la gorge. Ah non! Prouve que t'es un homme. Plonge ta main dans la gorge. Réellement, les mecs? Mais attendez, parce que déjà, j'aimerais bien... Eh oh, je peux pas. Voilà, putain. Ok, c'est parti. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Oh, il va me bouffer la main, le bordel. Désolé, vieux. La clé, serpent. Ok. Cette petite chose va t'aider à trouver les deux cartes d'accès dont tu auras besoin pour participer à notre petite fête. Tu dois gagner ton billet d'entrée, Ethan. Ok. Je dois aller récupérer les deux clés qui ouvrent le sort de labo. Alors, là, il y a une porte scorpion à cet étage-là. Jusqu'ici, pas de soucis.
D'ailleurs, c'est un petit raccourci en plus. Ok, à cet étage, y'a rien du tout. Non, pas la vieille maison. Frère, me fais pas retourner là-haut. Non. Ok, je comprends pas, elle ouvre que ici. Pourtant, j'avais besoin de la clé scorpion à bien d'autres endroits. Alors là, je pige pas trop, les gars, je vous avoue. Bon, on va déjà sortir de là. Ok, on s'en bat les couilles. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Ces choses qui m'entourent. Comme un trou de balle noué de tresse. Sans comprendre la détresse. Ok. On est presque sorti de cet enfer. J'ai évité le teamfight. On se casse. Ah ! Ah putain, salope ! J'ai dit on se casse ! Aïe ! Ok ! J'évite le fight. Si je peux économiser des balles... Ah ! What the hell ? Oh putain ! Oh là là ! Ouh là là ! C'est la sueur, c'est la sœur qui s'empare de moi, mais c'est terrible! C'est terrible! Ok, on a la clé scorpion, tout devient de plus en plus sombre en plus, là où je vais, dans les anciennes pièces et tout. C'est-à-dire que les pièces que t'avais l'impression de connaître, tu connais plus rien, putain. Ok, j'ai la clé scorpion, j'ai le bras. Je vois pas du tout ce qu'on peut faire là. Bah déjà, hop, on va le mettre là. La clé scorpion, je vais en avoir besoin. Le bras en soi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Putain, il me reste 2 balles de pompe. Hop, on va reload. Ça va me faire économiser un emplacement. Il me reste 1 soin. Oh là 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 là. Il y a un agent de séparation. De séparation. Et j'ai des herbes. J'ai des petites herbes de Provence. Ça manque de fluide. Ok. Écoutez les mecs. J'ai envie de vous dire, c'est la merde, mais... L'atelier, putain, mais... Il est où l'atelier? Il est en bas. Je suis jamais rentré dans l'atelier. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Oh putain! Ah oui, voilà, c'est là que ça ouvrait. C'est à l'autre bout de la baraque. Oh là là! Direction la salle de jeu. Vous savez là où on a trouvé le fusil à pompe? Chambre d'enfant, chambre principale et rangement. C'est là où sont les 2 cartes. D'accord. Ok, on sauvegarde une dernière fois. Vous savez quoi? Je pense, sans faire le mec qui se chie dessus, qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, je vous le dis très honnêtement, les mecs, c'est... Je vais record quand... vous voyez ce que je veux dire? Quand je serai un peu plus en forme. 25 minutes, c'est déjà pas mal. Mais là, c'était dur. Là, c'était franchement hyper intense, les gars. Pas évident. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très vite pour l'épisode 9. Demain, d'ailleurs. Je vous fais des bisous. Et on ira chercher les 2 clés pour ouvrir justement ce sorte d'atelier ou laboratoire. Et puis voilà, on se retrouve très très vite. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao.